Ça va arriver. Ouais. Je t'ai gardé quelque chose là. Ah bon? Ouais. Et puis ça pèse. Ah oui. Ah t'es. Bon. Voilà, là, tu as désormais l'huile Mado. Ah, Mado? Oui. Toutes tes fritures, la cuisson, la mayonnaise Mado. Ok. Vinaigre Mado. Je vais amener. Du lait. Je vais emporter ça Mado. Dans mon cafétéria. Ah oui. Ça. Et là, tu as des spaghettis de haute qualité. Hey, c'est toujours écrit Mado. 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 Merde, mon chéri. Et enfin, tu as du sucre Mado. Merde. Merci beaucoup. Tu sais, j'ai un ami qui fait dans ses produits. Uh-huh. Il m'a fait déguster. D'ailleurs, qualité goût. Uh-huh. Numéro 1. Qualité prix incomparable. Oh! J'ai dit, ça, c'est pour maman Choco. Merci beaucoup, mon chéri. Ah, de rien, bébé, de rien. Tu sais, je t'aime tellement. Tu mérites tout ce qu'il y a de bien. Ah, vraiment. Ah, oui. Je t'aime tellement. C'est comme ça qu'un homme doit faire. Hein? Maman Choco. Oui, chérie. Je vais te donner. Ce soir. T'inquiète. Je dépose un peu ça à la cuisine, j'arrive. D'accord, d'accord. Vas-y, vite. Je t'attends. Ah, maman Choco. Mon Dieu. Tu sais, j'ai pensé à toi toute cette nuit. Hein? Ah bon? Oui. J'ai regardé la télé hier. Mm-hmm. J'ai vu dans un magasin où on vendait une culotte haut de gamme. Ah bon? Une culotte pas comme les autres. Quand j'ai regardé cette culotte, j'ai dit, il faudrait que je sois le premier à l'acheter pour te l'offrir. Merci. Parce que quand tu regardes cette culotte, tout de suite, c'est ton visage qui vient là-dedans. C'était un peu dans ta tête comme un film. Oui, 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 c'était un peu comme un film. J'ai dit non, il faudrait que je sois chez toi aujourd'hui. Dès demain matin, on va au marché central. Parce que le nom de cette boutique, c'était Mère, tu comme ça. Maison Mère. Maison Mère. J'ai retenu, c'est ça, Maison Mère. Oui. Ah oui. Mais on parle trop de la Maison Mère là. Je ne vais pas te mentir, ce que mes yeux ont vu hier, cette boutique, ça vend du bon. Je vais porter ça. Non, la fois passée, la culotte que j'ai d'abord portée là, oui. Je me ressentais dedans comme si j'avais 20 ans, 18 ans, quelque chose comme ça. Laisse tomber. Cette culotte est loin derrière l'autre là. Considère cette culotte comme un bas de gamme. Ça, c'est la culotte haut de gamme. Merci. Oui, ça c'est un bling bling, un bijou. Non, tu veux dire que tu devais m'amener à Kribi. Mais effectivement, j'ai pas oublié. T'inquiète, pour aller à Kribi, il faut des ingrédients. Et je considère que cette culotte, c'est déjà un ingrédient favorable à notre voyage. On ira à Kribi. Merci beaucoup. T'inquiète. Tu sais, la dernière culotte que je t'avais achetée. Oui, oui, j'avais porté ça, mais je me ressentais dedans comme si j'avais ça, c'est 18, rien. 19 ans. Considère hein. Que ça, c'est l'ancien stock et voilà l'authentique. Hey. Ah oui. On va aller au marché quand je viens. Marcher là quand? Demain matin. Demain. On va marcher. Parce que si on laisse le temps passer avec cette vidéo, beaucoup de gens viendront là-dessus et tout. Il faut que je sois vraiment la première. Ouais. Alors ma chérie, j'ai fait un petit repas. Oui. Bref, le riz avec le pépé sauce. Ah, ne me dis rien. Tout ce qui vient de toi, je mange. Idiote. On va te rappeler tous les jours de laver les assiettes. On te rappelle pas de prendre le téléphone, pourquoi? Oh. Bonjour, ma belle Choco, c'est comment? Hey, je viens de loin, j'entends seulement les cris, c'est quoi? Oui, c'est ta nièce. Hey. Je sors du marché acheter les œufs. Elle est sur son téléphone, les assiettes sont sales devant elle. Hey, Déborah, tu es à ce niveau. Fais attention, hein. Oh. En tout cas, ma belle, c'est toi que je suis venue voir comme ça. Tu veux me voir? Merci.
que tu es venu me voir pourquoi? Maman, comme tu me vois là, tu es mon devant derrière, qui a une voix plus qui peut m'aider. Hey. Aider? Je te dis, maman, si tu ne m'aides pas là où je suis, là, moi, c'est maman vous appeler que venez porter le corps d'Akamba. Waouh, vrai de Dieu! Ah, tu oublies très vite, hein? Je suis plus misérable. Hein? Mm. Tout ça n'est plus pour ton frère. Déborah, hein? Tu fais quoi comme ça? C'est quoi? Tu filmes quoi? Tu es en train de filmer quoi? Maman, sans les trucs comme ça, et quand tu mets sur les réseaux sociaux, ça te donne beaucoup les abonnés. Pas des extraits pour laver. C'est tout ce que tu connais là-bas. Tout ce que tu connais, c'est les réseaux sociaux. Va laver ça! Pardon, ma belle-sœur chérie, tu es la seule. Tu dis que quand, parfois quand il sortait avec mon frère comme ça, il regardait un peu les femmes, il disait que hey, ressaisis-toi, pardon seulement. Tu es à ce niveau. J'ai un problème qui me tient à cœur. Pardon, ma belle-sœur, pardon, ma belle-sœur, pardon. Prête-moi 50 000 seulement. Hé! Hey! 50 000! Ton frère n'est plus, non? Moi-même, je n'ai pas. Tu m'as insulté la fois passée ici. Ton frère est venu me chercher dans un cadre très misérable, c'est ce que tu as dit, non? Le diable, maman. Oui, porte le diable là. Regarde comment tu es belle, non? Tu as mis les lolos en valeur. Te voilà, tu es bien belle, tu es babu partout. Mais va vendre même l'eau glacée, non? C'est un conseil, je vais vendre. Mais vas-y, vends. Aide-moi, pardon. Aide quoi? Donc si je meurs, tu vas venir me donner. Mais en ta tête, c'est tout. Ton frère et moi, là aussi, enterré. Chacun s'en fout, je le crois pas, non? Je n'ai pas 5 francs à te donner. Je dis bien, même 5 francs à te donner, je n'ai pas. Je me bats ici pour envoyer mes enfants à l'école. C'est dans ça que je les nourris. C'est dans ça que je fais tout. Je pars. Non, reste. Je vais te donner ton sac. Lève-toi, tu pars, hein? Je suis mal aujourd'hui. Ouais, nous aussi. Tu n'es plus en mission. Tu m'as rappelé l'autre jour que tu étais en mission, non? En mission, comment? Le jour-là, quand je suis arrivée à la maison, comme ça, j'ai regretté tout. Aujourd'hui, en même temps, je viens te demander l'argent. Je te demande aussi les excuses de ma mère, pardon. Non, 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 tu n'as pas besoin de te demander. Je ne suis pas Dieu. Porte tes clés et tes claques là-dessus, je quitte de mon bureau, s'il te plaît. Vas-y, je ne suis pas Dieu. Il était une fois une femme qui vivait en harmonie avec son mari. Un jour est arrivé, le mari est décédé. Le calvaire a donc vraiment commencé pour la veuve femme. La veuve femme aujourd'hui l'a nommée Mamie Choco, mes amis. Elle est dérangée, elle est surpassée. Tous les jours, mes chers amis, c'est la vente de son mari. Puisque sa belle famille ne lui donne pas le lait, les menaces passent par là. Elle met la maman Choco, elle n'était pas facile. Un jour est arrivé, elle a décidé vraiment, mes frères, de faire quelque chose pour envoyer ses enfants à l'école. Pour survivre dans la vie, chose promise, chose faite, directement.